Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la Complex Engine. Comme vous ne savez pas exactement ce que c'est, on va commencer par un petit peu plus simple. On va parler de géométrie dans l'espace, géométrie 3D. Quand on est développeur web et qu'on veut faire un petit peu de géométrie donc dans l'espace, du dessin 3D, on a plusieurs technologies qui s'offrent à nous. La première, la plus évidente, c'est CSS3, donc avec les propriétés de transform qui ont été introduites avec la norme CSS3, qui nous permettent de faire des trucs assez sympathiques, comme cette magnifique illustration le démontre. Le problème qu'on va avoir avec CSS3, c'est qu'on va être limité dans le dessin qu'on va faire par les éléments qu'on peut transformer, qui sont à chaque fois des éléments HTML, et donc ils vont toujours avoir une base rectangulaire. Donc même s'il y a des petites astuces pour faire croire qu'on utilise un rond ou qu'on utilise un triangle avec des éléments HTML, on va toujours avoir cette limitation. Donc c'est une technologie intéressante. Moi, je veux un truc relativement simple. Et l'autre problème de WebGL, qu'on va l'intégrer dans une page internet, c'est que l'élément camp de base dans lequel vous allez mettre votre dessin va être un petit peu isolé de tout le reste de votre page. Donc vous n'allez pas pouvoir accéder à ça via CSS. Et via JavaScript, vous n'aurez pas tous les événements classiques, les mooCenter, les mooSolver, les clics, etc. Donc WebGL, pour moi, c'est trop compliqué et j'ai pas assez de maniabilité où il faudrait que j'apprenne beaucoup de choses, ce que j'ai pas vraiment envie de faire. Du coup, on a une autre technologie qui permet de faire du dessin, ça s'appelle SVG. SVG, c'est du dessin vectoriel, donc vous prenez des points, vous machinez, enfin c'est très bien, c'est scalable, tout ça. Et le gros avantage de SVG, c'est que c'est un langage de type XML. Donc ça va être exactement le même type de langage que votre HTML. Donc vous avez juste besoin d'apprendre quelques balises et quelques noms d'attributs. Donc l'apprentissage est très très rapide, c'est une prise en main qui est assez intuitive quand on est développeur web. Et en plus, le SVG va être accessible via le JavaScript classique avec le clic, le hover, et il va être aussi accessible avec le CSS. Donc si on veut changer la couleur de notre dessin ou la taille ou je ne sais pas quoi, on pourra le faire en quelques lignes de CSS, ce qui est assez agréable. Le problème cependant de SVG, c'est que SVG ne permet pas de faire du dessin 3D, il fait que du dessin 2D. Donc ce qu'on va avoir envie de faire, et c'est le but de la Complex Engine, c'est de pouvoir définir des objets en 3 dimensions et d'avoir la Complex Engine qui va faire pour nous le calcul de la perspective de toutes les choses pour donner une image qui va être en 2D. Mais comme quand vous jouez à un jeu vidéo, ben, les calculs sont faits en 3D, mais à la fin votre écran est en 2D. Comme quand vous regardez une peinture, il y a un effet de perspective, mais la toile est en 2D. C'est le rôle qu'on va vouloir donner à la Complex Engine pour pouvoir définir des objets en 3D et les afficher donc grâce à SVG sur une plateforme 2D. Donc pour commencer avec... avant de parler de la Complex Engine en soi, il va falloir qu'on parle un petit peu de géométrie et d'algèbre. Le problème qu'on a quand on veut faire de la géométrie avec un ordinateur, c'est que l'ordinateur, il a une vision mathématique qui est purement algébrique. Donc c'est les nombres réels, c'est les additions, les multiplications. Et quand on veut faire de la géométrie, on veut faire de la translation, on veut faire de la mise à l'échelle, on veut faire de la rotation. Du coup, il va nous falloir une méthode pour transformer les transformations géométriques, pour exprimer les transformations géométriques algébraiquement. Et donc c'est ça qu'on va regarder tout de suite. Donc là je vous ai mis une petite image d'Euclide qui faisait de la géométrie. Voilà. Du coup, on va commencer simple, on va commencer en une dimension. Donc là vous avez un axe qui représente donc l'axe des nombres réels, mais qui représente en fait un espace géométrique en une dimension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire des transformations géométriques sur cet axe-là et qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait transformer ça en expression algébrique. Donc si on prend par exemple un point de référence ou le 0 et qu'on va faire une translation sur toute cette ligne-là, donc on va la tirer vers la droite, on va faire une translation de deux unités, ce qu'on récupère, c'est que tous les nombres, donc tout le référentiel a été décalé. Aujourd'hui, le 0 est aligné au 2, le 1 est aligné au 3, le 2 au 4, etc. Donc ce qu'on a fait, donc cette transformation, en fait, on peut la décrire avec une opération algébrique, avec en fait une addition de plus 2, puisqu'on a juste fait une translation de deux unités vers la droite, et donc ça va correspondre en termes algébriques à une addition. Et de la même façon, si on fait une translation vers la gauche de 3 unités, ben, ça fait une opération algébrique, c'est toujours une addition de plus moins 3, et plus 2 plus moins 3, ça fait moins 1, et donc on voit toujours le 0 est aligné au moins 1. Donc on a une équivalence entre l'addition algébrique et la translation sur un espace en une dimension, et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser pour représenter nos opérations géométriques dans un ordinateur qui parle avec de l'algèbre. Une autre opération qu'on peut faire, toujours en une dimension,
c'est cette fois-ci on va prendre un point de référence au 0 qui va être fixe, et on va prendre le point, point d'unité, le point 1, et on va le décaler. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va étirer ou compresser cet espace-là qui est décrit, donc la ligne dans une dimension. Et si on prend par exemple le point 1 et qu'on le décale jusqu'à la position qu'occupait le point 2 avant, ce qu'on récupère, c'est qu'on a étiré toute cette ligne, et donc aujourd'hui le 1 il se retrouve en face du 2, le 2 il se retrouve en face du 4, le moins 1 il se retrouve en face du moins 2. Et donc le résultat de cette opération-là de scaling en anglais, ou de mise à l'échelle, ça va être, en fait, il peut être décrit par une multiplication algébrique. Donc on a, sur notre espace en une dimension, réussi à transformer ou à exprimer de façon algébrique toutes les opérations géométriques. Et donc maintenant, il faut qu'on passe à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc je ne sais pas si cette expression mathématique, elle parle à certains d'entre vous. I au carré égale moins 1, c'est le i, c'est ce qu'on appelle un nombre imaginaire. C'est que ça ne peut pas être un nombre réel, parce qu'un nombre réel mis au carré, il donne forcément un nombre positif. Et si ce nombre imaginaire, on l'a créé en mathématiques, c'est pour introduire une certaine catégorie de nombres, qu'on appelle les nombres complexes, et qui vont nous servir à décrire des opérations géométriques en deux dimensions. Du coup, on repart avec nos axes. Donc cette fois-ci, on a deux axes, puisqu'on est en deux dimensions. On a toujours l'axe, comme tout à l'heure, qui va être décrit par un nombre réel. Et puis ensuite, on a un axe qu'on appelle l'axe imaginaire, qui va être décrit par la partie imaginaire du nombre complexe. Donc c'est une certaine de fois un nombre réel que multiplie i. Et donc toujours pareil, si on veut faire une translation, donc si on veut prendre tout ce plan-là et le décaler un petit peu vers le haut et la droite, on peut le faire, et donc on se retrouve avec le point du 0 qui se retrouve au point 3 plus 2 que multiplie i, donc 3 plus 2i, et donc en fait cette translation-là, encore une fois, elle peut être décrite par une addition sur les nombres complexes. Si on continue et si on refait l'opération un petit peu de mise à l'échelle de tout à l'heure, donc le point 0 on le prend comme un point fixe, et on va faire bouger le point 1. Si le point 1, on veut le faire bouger pour aller ici, donc sur le point 2 plus i, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre le point 1, d'un côté l'étirer, donc faire une mise à l'échelle comme tout à l'heure, et en plus, on va devoir faire une rotation de tout notre plan pour l'amener ici. Donc en fait, tout le plan va devoir faire une rotation. Donc si on a ça, donc on a là le résultat de la transformation. Et cette transformation, en fait, elle peut être décrite par une multiplication de deux nombres complexes entre eux. Donc là, en fait, c'est ce point-là, le point 1, multiplié par 2 plus i, il se retrouve ici. Et si on prend un autre point, donc on a le point moins 1 plus i, avec cette même transformation, il va se retrouver à la coordonnée moins 3 plus i, ce qui correspond à la multiplication des deux nombres complexes entre eux. Du coup, la multiplication, elle permet de décrire à la fois la mise à l'échelle et à la fois la rotation, qui vont être deux opérations un petit peu géométriques, un petit peu impliquées l'une dans l'autre. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que i au carré égale moins 1, c'est un truc qu'on ne comprend pas forcément quand on est en cours de maths en terminale, je ne sais pas quoi, quand c'est expliqué. C'est que si vous prenez, non mais géométriquement, en fait, c'est plus parlant, ça que je veux dire, c'est que si vous prenez le point i et que vous le multipliez par lui-même, donc vous prenez le point 1 et vous l'amenez au point i, ce que vous faites, c'est en fait une rotation de 90 degrés, et donc ce point i, il se retrouve à moins 1, donc i multiplié par i, avec cette rotation de 90 degrés, se retrouve au moins 1, et c'est pour ça que i au carré est égal à moins 1, pour impliquer en fait cette idée de rotation sur le plan des nombres complexes. Donc maintenant qu'on a décrit toutes nos opérations en deux dimensions, il faut passer à la troisième dimension. Et là, il faut que j'introduise une catégorie de nombres encore différentes, qu'on appelle les quaternions, et qui vont être composés de quatre parties, une partie réelle et trois parties imaginaires. Donc on introduit le nombre j et le nombre k en plus. Et là, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'en trois dimensions, on a besoin de quatre composantes à notre chiffre. Parce qu'on aurait pu dire trois dimensions, tout à l'heure on avait deux dimensions, deux composantes, trois dimensions, trois composantes, pour mettre un point dans l'espace, il y a trois axes, x, y, z. Bref, mais en fait, c'est ce mathématicien, donc William Rowan Hamilton, qui a trouvé la solution. Puisque le but des quaternions, ce n'est pas uniquement de positionner un point dans l'espace, c'est aussi de décrire toutes les opérations géométriques qu'on peut faire. Et le point de blocage, c'est que si vous voulez faire de la translation, trois composantes, c'est suffisant. Mais si vous voulez faire une rotation en trois dimensions, vous avez quatre variables
de liberté, puisque vous avez l'axe de la rotation, donc il va être décrit par un vecteur, donc vous avez déjà 3 degrés de liberté à ce niveau-là, puisque vous avez 3 axes, et ensuite vous avez l'angle de la rotation, l'angle sur combien de rotation vous voulez faire, donc vous avez 4 degrés de liberté, c'est pour ça qu'on a besoin de l'angle avec 4 degrés de rotation, donc l'équaternaire. Du coup, je ne vous ai pas fait d'animation en 3 dimensions parce que ça commençait à devenir compliqué, mais on va juste se fier à la théorie mathématique. Et juste pour la petite info, tous les moteurs 3D du monde qui existent se basent pour leur calcul de transformation 3D sur les mathématiques des quaternions. Donc, il est temps de passer à un peu de code. On va commencer par implémenter une classe de quaternions. Alors pour ceux qui sont un peu surpris par la syntaxe, c'est une syntaxe CoffeeScript, qui est un pré-compiler, vous connaissez peut-être, mais il n'y a rien de sensé. Donc là, c'est une classe quaternion, on a repris le bouquin de mathématiques en la 3D, il n'y a rien de suspect là-dessus. Je vais juste faire le focus sur deux méthodes. Une première méthode Unify qui va nous permettre de prendre donc, un point dans l'espace et de le mettre à l'échelle afin de garder le même angle qui sur lequel il est dirigé, mais de faire en sorte que sa longueur elle soit de 1, ça va nous permettre d'isoler en fait la rotation. Parce que comme avec les nombres complexes, on va faire l'action de rotation et l'action de mise à l'échelle vont être liées entre elles. Du coup, si on veut isoler l'action de rotation, il faut supprimer l'action de mise à l'échelle quand on va faire la multiplication. Et donc, il faut prendre ce qu'on appelle un vecteur lunaire, donc un vecteur de longueur 1. Et c'est cette méthode-là qui va s'occuper de faire ce boulot-là. Ensuite, je vous ai mis juste pour le plaisir la méthode de multiplication qu'on va utiliser pour la rotation, donc, mais ça paraît un petit peu compliqué, mais au final c'est juste du développement algébrique que tout le monde aurait pu trouver tout seul à partir du moment où il a fait ses études de mathématiques. Donc on va continuer. Donc on va continuer, maintenant on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet et savoir comment est-ce qu'on veut représenter nos formes en 3 dimensions. Pour commencer, on va faire une classe point, donc qui prend juste un quaternion en variable d'instance, et puis on va sortir les 3 valeurs x, y, z pour pouvoir travailler un petit peu plus facilement là-dessus. Mais donc on définit un point qu'on peut positionner dans l'espace grâce à un quaternion. On va prendre un polygone, on va faire une classe polygone qui va être en fait un regroupement de points. Donc on va dire, quand on aura notre objet, on va dire ben, ces 4 points-là, ils forment une face de mon objet, donc ça sera le rôle de la classe polygone. Et ensuite on va faire une classe polyèdre qui est l'objet total et qui va être en gros une collection de polygones. Donc j'ai cette face là plus cette face là plus cette face là et tout ça fait mon objet. Donc là, si le code est légèrement plus compliqué, c'est parce que j'ai fait une petite optimisation pour pas dupliquer le nombre de points quand deux polygones partagent le même point, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire, une collection de polygones. Et donc maintenant qu'on a notre structure, la première chose à faire, c'est de faire une méthode toSVG pour dessiner finalement un objet qu'on aurait défini dans notre classe polyèdre sur un élément SVG. Donc ce que va faire cette méthode, c'est qu'elle va prendre en fait tous les polygones et elle va dire ben, le polygone dessine-toi et ensuite je te rajoute au SVG. Et pour dire le polygone dessine-toi, passe dans la classe polygone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc, dans le constructeur un élément qu'on va créer, un élément PAF, donc qui est lié à la norme SVG. Et le PAF, en fait, ce que vous dites, c'est que ça va dessiner une ligne et vous dites ben, la ligne elle passe par ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et pour dire par quel point elle passe, on va utiliser les points qui appartiennent au polygone. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer la perspective. Donc on va juste prendre les coordonnées x, y de chaque point. Et du coup, si on passe dans notre document HTML, on va pouvoir mettre en haut une petite balise SVG. Ici, on initialise un polyèdre qui va être un cube. Donc là, j'ai initialisé tous les points du cube. Et puis ici, je dis quel point il faut relier pour faire les différentes faces du cube. Et si on appelle à la fin notre méthode toSVG sur ce cube-là qu'on a fait, on a un carré. On a un carré. On a un carré parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris en compte la perspective. Donc en fait, on a la face avant du carré, les faces de côté qui sont strictement perpendiculaires à notre vision, donc on ne les voit pas, et puis la face de derrière qui est aussi grande que la face avant parce qu'il n'y a pas cet effet de réduction par rapport à la perspective. Donc, la prochaine étape, ça va être de calculer la perspective. Pour calculer la perspective, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a un point ici, qui est défini dans l'espace. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
un point de perspective, on va mettre un point de l'observateur. En plus de ça, on va définir un plan qui sera en gros notre écran, et ce qu'on va pouvoir voir, c'est du point de vue de l'observateur, où est-ce que ce point-là se retrouve sur cet écran. Donc, on peut tracer une droite, et quand on trace une droite entre deux points, il y a une équation de la droite, le plan, il y a une équation du plan, et pour trouver quel est le point où ce point-là apparaît sur ce plan, il suffit de trouver le point où ils intersectent, donc il suffit de résoudre un petit système pas très compliqué d'équations linéaires. Et avec l'exemple que j'ai pris, on a le résultat ici. Donc en fait, ce qu'on va dessiner, nous, si on veut dessiner ce point-là, en fait, on va le dessiner à ces coordonnées ici. Et donc ça, en termes de code, ça donne quatre opérations pas du tout très compliquées qui sont là. Et donc, à chaque fois qu'on va du coup maintenant demander au polygone de se dessiner, au lieu de dessiner directement les points en ignorant la coordonnée de profondeur, on va en fait appeler la projection de chaque point sur ce plan-là pour savoir quelles sont les corrections à appliquer pour avoir cet effet de perspective. Et si on redessine notre cube de tout à l'heure, on a quelque chose qui ressemble à ça, donc qui est déjà beaucoup plus 3D, disons, puisqu'on a la face avant qui est en grand, on a les petites faces du côté qui sont légèrement inclinées pour donner cet effet de perspective, et puis la face arrière qui est un petit peu plus petite puisqu'elle est plus loin. Donc on a un cube qui fonctionne. Maintenant qu'on a notre cube qui fonctionne et qu'on a notre perspective, on va pouvoir mettre en place nos différentes transformations géométriques. Donc on peut commencer avec l'opération de translation. Donc on va mettre ça sur le point, en fait, le polyèdre, on va appeler la méthode sur le polyèdre, mais le polyèdre va appeler la méthode sur tous les points qui le composent. Donc une méthode de translation, c'est juste on prend le quaternion du point et puis on l'ajoute avec le quaternion qu'on passe en paramètre. Pour la mise à l'échelle, ça va être presque la même chose. On va juste multiplier le quaternion qu'on a pris, et si vous voyez, et si on peut définir une logine, puisque si on fait une mise à l'échelle, si on a un cube ici et qu'on fait une mise à l'échelle à partir d'un point ici, il va grossir par là. Si on fait la mise à l'échelle à partir d'un point ici, il va grossir par là. Puis si on fait au milieu, il va grossir de tous les côtés. Donc on a une origine. Donc en fait, quand on a une origine, on va prendre le cube, on va le translate sur l'inverse de l'origine pour le remettre par rapport à zéro. On va faire la mise à l'échelle et puis on va le replacer là où il devait être. Donc c'est tout ça, et donc l'opération principale ici, c'est le multiplicateur par un nombre réel. Et ensuite, on a notre opération de rotation, donc il va être un poil plus compliqué. Cette fois-ci, ça va se passer en deux étapes. Donc d'abord, dans la classe de polyèdre, on va prendre, donc je vous avais dit tout à l'heure, il y a l'axe de rotation et puis l'angle de rotation, on va prendre ces deux informations-là. Avec ça, on va créer un nouveau quaternion spécifique qui représente la rotation pour cette rotation-là. Donc qui est le quaternion que j'ai mis dans la variable h, et ensuite dans la classe point on va faire l'opération, donc h multiplié par le quaternion du point multiplié par l'inverse de h, qui est la formule mathématique qui permet de faire la rotation. Et du coup, si on retourne dans notre document HTML et qu'on fait une rotation sur un axe, donc qui est en diagonale sur x et y, sur le point xy, et qu'on tourne d'un 18e de tour, on a notre cube qui ressemble à ça. Et donc là, on a déjà un feeling beaucoup plus 3D. Et si on continue à le faire tourner, encore d'un 18e de tour et encore d'un 18e de tour, on a un cube qui tombe vraiment dans l'espace et qui nous donne du coup un feeling 3D. Et si on fait cette opération et qu'on la répète, on peut faire de l'animation. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un angle de 480e de tour et j'ai demandé au cube, à chaque fois, à chaque frame, tu vas tourner, on le redessine à chaque fois. Et donc on a un résultat 3D, et saisissant. Du coup, petite conclusion pour ceux qui se demandent principalement à quoi ça sert tous ces trucs-là, au-delà de faire des cubes qui tournent parce que c'est bien joli, mais quand on est développeur web, on n'a pas souvent besoin de ça. Donc, je voulais juste vous citer un cas d'utilisation, mon cas d'utilisation. J'ai un blog, dans mon blog je fais des illustrations, et quand je fais des illustrations, j'ai pas envie de mettre de photos nécessairement, parce que déjà je suis pas fort en Photoshop, ni en Illustrator, à la limite je pourrais faire du Paint, mais bon c'est pas très beau. Et en plus, si je fais une photo, elle est fixe, donc si mon site change de style ou quoi, je peux pas juste changer un peu de CSS pour changer la couleur, pour changer la taille, pour adapter.
Je peux pas faire d'animation non plus avec une photo, alors on pourrait faire un GIF pour faire un truc qui bouge un peu, mais si je fais un GIF, j'ai pas de contrôle sur cette animation-là, je peux pas dire, ben, quand le lecteur il est à ce stade-là de la lecture et que j'ai mon GIF ici, le GIF il commence à tourner, donc ça perturbe un peu. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est faire une animation, un truc qui soit joli, un truc sur lequel je puisse avoir le contrôle, et par exemple, j'étais en train d'écrire un article sur ce qu'on appelle les nombres tas de sable, et je voulais faire une animation sur une action qu'on peut faire avec ces nombres-là qui s'appelle le toppling. Et donc j'ai fait cette animation qui se déclenche quand on clique du coup sur le bouton « Jouer l'animation » et sur cette animation-là, ben, j'ai tout contrôle de ce que j'ai envie de faire. Et ça, ben, honnêtement, à faire en CSS3, ça m'aurait pris, enfin ça aurait été un casse-tête véritable, je pense, et à faire en WebGL, il m'aurait fallu que je passe 6 mois à prendre WebGL. Tandis que là, j'ai pu faire avec la Complex Engine et SVG, cette animation en pas trop de temps, et puis elle est sympa et j'ai tout contrôle là-dessus. Donc c'est par exemple un cas d'utilisation concret que je peux avoir sur ça. Du coup, c'est la fin du talk. Si vous voulez retrouver tout ce que je viens de raconter, le code, les bidules, les quaternions, etc., j'ai un blog, Principia Informatica, vous pouvez lire, il y a un article sur la Complex Engine. C'est la fin du talk. Merci de l'avoir. S'il y a des questions et si on a le temps, je ne sais pas si je passe un peu, on peut faire. On va faire comme ça, tac, tac, tac. C'est moi le premier ? Ouais, j'avais une question juste Complex Engine, c'est une des API dans les browsers ou c'est, ça désigne quoi ce terme-là ? Le code que j'ai montré. C'est le nom de ta clé toi, ce truc-là ? Ouais. D'accord. Ouais. Okay. J'aurais dû l'appeler Quaternion Engine. Mais je ne savais pas que j'ai côté de savoir parce que j'ai lu tout ça. Ce que tu as décrit finalement, c'est SVG, SVG, JS. Ouais. Il n'y a pas d'API particulière à part du JS dans le browser. Non. Non. La seule API, entre guillemets, c'est l'initialize et puis les méthodes pour embouteiller tout ça. Enfin, c'est juste une petite librairie. Quoi. Oui, que tu as rajouté toi. Mais dans les trucs dont tu as besoin d'API pour fonctionner, c'est du JS et du SVG. Ouais, donc il y a. Ça marche. Je suis d'accord avec toi. Ça va être vachement bien en mode aussi si je veux prendre du SVG en bac. Ouais. Ok, merci. Ouais. Du coup déjà, bravo pour la démo technique et mathématique qui même pour un littéraire du coup est compréhensible, au moins pour la théorie. Du coup, c'est plus une question en termes de perf, parce que forcément du SVG utilise beaucoup de nodes dans le DOM. Alors, on voit des fois sur les gros trucs en D3JS, ça va bien. Mais est-ce que tu as fait un truc en particulier et est-ce que tu conseilles justement une utilisation de WebGL quand tu peux utiliser ce truc-là pour plus de perf, sachant qu'il y a des librairies comme CGS qui permettent ça. En termes de performance, si tu as beaucoup d'objets, WebGL va être plus performant que SVG. Si tu as peu d'objets, SVG va être plus performant que WebGL. Après, là, un truc, c'est que moi, souvent, je passe mes animations sur le frame rate, donc c'est un peu le navigateur qui décide à quelle vitesse ça va. Du coup, j'ai rarement eu des problèmes de lenteur et j'ai fait certaines animations, certains trucs que j'ai pas mis là, mais qui comprenaient une deux centaines de polygones à dessiner à chaque fois et c'était fluide, tout ça. J'ai une animation sur l'article où il y a des octoèdres, il y en a 48 et il y a 8 faces à chaque fois, même plus, et qui tournent et ça fonctionne bien. Donc, voilà, après c'est une engine, enfin c'est pas pour faire un jeu vidéo, c'est juste pour faire des petits trucs, pour faire du 3D facilement sur le web, quand t'as besoin d'une illustration, quand t'as besoin d'un petit logo qui tourne en haut à la télé, je sais pas quoi. Voilà, c'est, il n'y a pas trop de plus que ça. Voilà. J'avais une question là, est-ce que tu peux claquer une texture? Mettre du texte sur des trucs? Non, claquer une texture, c'est-à-dire en fait une image ou n'importe quoi d'autre sur une face. J'imagine que tu pourrais le faire avec la propriété background, puisque en fait c'est un élément, ça ressemble énormément à un élément HTML, donc tu pourrais mettre un background et faire toi-même en fait toutes les découpes. Après sur l'engine, pour l'instant il n'y a pas ce genre de fonctionnalité. Quoi. Mais après il faut bien réaliser que là ce que j'ai fait, c'est vraiment
un calcul de la perspective et puis faire des translations en rotation. Il n'y a pas trop de gestion de si deux polygones se croisent, il y a un problème de perspective qui va se créer. Il n'y a pas de gestion de collision, il n'y a pas de... Enfin, il y a plein... C'est pas un moteur 3D, clairement. Voilà. Mais d'ailleurs, si... Enfin, j'ai plusieurs envies d'améliorer ça, donc... S'il y en a quelques-uns qui sont intéressés pour m'aider à améliorer l'engine, je vous invite à m'envoyer un mail sur le truc de l'article pour qu'on voit. Ouais. Alors ça a l'air clairement de ne pas être le but, mais est-ce que tu as commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça impliquerait comme formule mathématique de ne pas peindre des polyèdres qui seraient derrière d'autres ou à moitié derrière d'autres? J'ai réfléchi à ça parce que justement en fait j'ai un problème sur l'ordre de dessin, parce qu'avec SVG, si tu dessines un élément en bas, enfin, c'est comme avec HTML, il se met par-dessus un autre. Donc si tu dessines d'abord celui-là et puis après celui-là, il va se dessiner par-dessus, ce qui est sympa, mais ça pose un problème quand les polygones se croisent. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que quand ils se croisent, j'essaie de trouver un truc où en fait je fais plusieurs polygones pour éviter qu'on voit que c'est deux qui marchent pas ensemble. Mais j'ai réfléchi un petit peu avec une vieille technique de 3D du début des jeux vidéo, ce qu'on appelle le raycasting, où en fait tu mets ta scène 3D et tu scans en fait avec un rayon, tu vois le premier truc que touche le rayon et tu dessines ça. Donc il y a des améliorations à faire, mais pour l'instant disons que ça me paraît un peu trop compliqué par rapport à l'ambition du truc, mais non, c'est... Voilà. Bon, je laisse la place au suivant.